Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog incroyable, la team. On l'attend depuis tellement longtemps, on va passer sur France 2 pour tout le monde prendre sa place. Évidemment, émission culte. Oui. C'est incroyable. Alors évidemment, on en parle depuis plusieurs mois. On a participé tous les trois à la même émission et c'est diffusé demain, là, quand vous voyez ce vlog, le 5 avril, vendredi 5 avril à midi. Et ce qui est fou, c'est que le soir même, demain soir, il y a une vidéo réaction à notre passage qui sort sur ma chaîne YouTube, Lucas Studio, ma chaîne principale. Et on va tout vous montrer, on va réagir à l'émission, on va vous raconter tout ce qui s'est passé et tout. Enfin, on vous spoil rien pour l'instant, mais vraiment, l'émission est incroyable, c'est vraiment fou ce qui s'est passé. Et on a trop hâte de vous montrer ça. Donc vraiment, rendez-vous demain à 18h15 sur ma chaîne Lucas Studio. Et là, dans cette vidéo, déjà, on va vous montrer toutes les coulisses de l'émission. En fait, on a pu filmer avant notre passage, donc on vous filme quand on essaye nos tenues, quand on se fait maquiller, quand on se prépare aussi. C'est trop drôle ça. On se prépare, on voit comment est-ce qu'on entre. Vous savez, sur le plateau, il y a une entrée de champ, on va dire, entre guillemets. On révise, etc. Enfin, ce vlog là aussi, c'est vraiment trop bien les coulisses comme ambiance. Ça tisse trop bien ce qui va se passer demain. Je compte sur vous, la team, demain 18h15. Commentez d'ailleurs en disant que vous venez de la team des vlogs, ça fait grave plaisir aussi. Ah ouais. Et puis, même d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo une fois que la vidéo réaction est sortie, bah c'est pas grave, au moins vous voyez un peu les coulisses, comment ça s'est passé. Dans tous les cas, c'est trop bien quoi. Enfin bref, vous allez voir, franchement, il y a plein de séquences dans l'émission de demain, c'est fou quand même. Quand je repense à tout. Est-ce qu'on peut teaser une séquence qui s'est passée dans la. Oh, je l'ai, c'est la même que toi. Je sais pas. On tease. On essaye, on voit si ça passe. Si ça spoil pas, vas-y. Ah, ça, on dit rien. On dit rien. Kiffer la team, ça va être fou. Évidemment, même si vous avez vu l'émission, bah, regardez la vidéo réaction parce qu'il va se passer plein de choses en plus. Je pense que c'est trop bien de regarder les deux parce qu'après, on va raconter plein de petites anecdotes et tout. C'est ça. Ouais. Je pense qu'il va faire des cuts et tout. Il y a plein de détails qu'on va pas voir à la télé, qu'on va pouvoir ajouter. Et je pense que notre réaction en revoyant le passage, ça va être fou aussi. Ah ouais. Ça va être dingue. Et aussi, pardon, dans la vidéo réaction, il y aura des exclus. Des moments avec Jarry, tout ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des séquences qu'on monte pas dans ce vlog là. Ce sera demain aussi. Ah ouais. C'est vrai que c'était fou ça. Et bref, on vous laisse de suite avec le vlog du coup dans les coulisses. Pour contextualiser un peu déjà, là ça commence, en fait on n'a pas fait d'intro sur le moment. Ça commence direct quand on est dans les loges. Et en fait qu'on s'habille parce qu'il y a quelqu'un de l'émission qui doit valider nos tenues. Pour dire est-ce que ça va, vous savez on doit pas mettre de marque, on doit pas avoir trop de couleurs ternes, etc. Donc ça commence direct, on valide nos tenues. Bonjour François. Enchanté. Tu joues comme ça? Ouais, s'il y a moyen s'il te plaît. Je suis top, non? Oui, t'es beau. Ah, merci ma Françoise. Moi comme ça, Françoise. C'est parfait, non? Ah. Pense pas à la taille, juste les vêtements. Sinon, attends, François. Pense pas à l'odeur de la chemise, hein. Pense juste vraiment au visuel, quoi. C'est un peu automnal, quoi. On est en pleine. On est après le printemps. En avril. Ouais. On est en avril. Ça, c'est pas mal, ça. Oui. N'entends pas trop. C'est pas que j'aime pas trop. C'est juste que ça fait un peu. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est exactement le bon mot. Ouais, c'était voilà, le bon mot. Spleen. C'est un peu. Il traîne son spleen quand même. Voilà. Attends, j'essaye. Bouge pas. Alors, fais voir. Ça. Ouais, ça, c'est mieux. Et ça, c'est mieux, non? Elle a perdu deux tailles au lavage. Hein. Ouais, ça fait très automne quand même. Les deux. Oh, attends, j'arrive. Allez hop, l'autre. Mais l'autre, elle a dit non, Françoise. Moi, je pense que Françoise, elle est pas fan. Non, elle veut pas. En tous les cas. Françoise, t'attends juste pour. Ah, la galère, mon oui. La galère. Je vais faire chier. Wesh. Attends, excuse-moi, j'ai eu un choc. Ouais, j'ai eu un choc. Mieux, non? Ouais, j'ai eu un choc. C'est pas ça. C'est tellement frieux ça. Ouais, c'est top. C'est top en vrai, oui. Ça va bien. C'est la couleur qui m'a. Elle m'a eu dès le début là. C'est hilarant. Une vraie aubergine de fou là. Vous moquez de moi là, non? Non, bah non, c'est top en vrai. Sinon, vous rigolez. Je vais mettre un t-shirt blanc ouais. Non, ou même violet quoi directement. Alors par contre, premier degré. Attends, non. Je me suis moqué. Ça va, il y a un flow. Pantalon mais oui, non, mais si c'est surprenant d'en comme ça. T'as mis ce pantalon là. Bah, c'était pensé pour ça. C'est en fait, c'est pour ça que ça me fume. T'es beau, ça te va bien. Ça me va bien. Max, tu fais quoi, Max? Bah, c'est Céline qui m'a dit que je pouvais essayer. Mais tu peux la garder pour l'émission? Et ton maquillage, là, il est flingué là. Non, tu peux la garder si tu veux. Non, merci. Ça va pas être. Non, mais. Reste ça parce que je pense que. Ça va être gênant pour tout le monde. Pour toi, surtout. C'est qui lui a habillé au final, Françoise, de nous trois là? Bah, vous êtes tous dans le même style et je pense que vous êtes tous. Mais il faut choisir quelqu'un. Montre du doigt, vu que tu peux te valer, pardon. C'est moi qui m'appelle? Non. Merci Françoise. Il y a du favoritisme parce que c'est toi qui l'a proposé. C'est toi qui l'a proposé la. Il est malin. On est hyper jaloux, Françoise, mais c'est pas grave. Tous les trois très bien. Ah merci. Beaucoup. Mais toi aussi t'es super Françoise, oh, bah, t'es top. J'aime beaucoup la petite banane. Petite sacole, ouais. Ouais. Et vous êtes top aussi, hein. Ah, ouais, aussi hein. On refilme pour remettre du contexte sur ce qui va arriver après. Donc là, après s'être habillé, etc. Là c'est vraiment séquence incroyable. En fait on est dans la même salle avec tous les autres participants qui seront demain avec nous. Et en fait on révise, en gros on nous brief déjà pour comment ça se passe l'émission, etc. Et en fait il y a quelqu'un de la prod qui nous lit nos fiches. En fait vous savez on a des fiches ou avec nos infos, par exemple nos passions, ce qu'on aime
faire dans la vie, des trucs comme ça. Et du coup, voilà, on valide ça avec la personne de la prod. Et surtout, on révise nos entrées, vous savez, quand l'émission commence pour dire bonjour, etc. Donc, on vous laisse avec cette séquence qui est vraiment incroyable. J'adore revoir ça. C'est parti. On va évoquer avec toi le fait que tu ne commences rien le vendredi. Oui. Pour les premières fois. Oui. Ah, c'est marrant ça. C'est drôle. Et on suis une fan absolue de Francis Cabrel. Ah, et ta chanson préférée, c'est Rosie. Rosie. Je la connais pas trop celle-là. Est-ce qu'on peut l'entendre? Oui, ou allez. Si, allez, allez, Audi, une chanson. Rosie, tout est blanc. C'est clair. De t'avoir eu un instant, j'étais tellement fière. Tout ce qui m'arrive à présent, l'envie de tout foutre en l'air. Ah, Odile. Ouais, bravo. Incroyable. Ok, Odile, ça marche. Lucas, oui. Du coup, tu es en trio avec Brieux et Maximilien. Ouais, c'est ça. Donc, je précise quand même que, évidemment, ils jouent individuellement. Ils peuvent pas se concerter. Ah, la galère. Ils peuvent pas s'aider. C'est les points de chacun. S'il y en a un qui fait zéro, il fait zéro. C'est la galère. si les trois font zéro, c'est vraiment la galère. Donc, Lucas, tu as 24 ans, tu es célibataire, tu es youtubeur. Ouais. Tu habites en Seine-Saint-Denis. Ouais, pardon, ouais. Dans le public, il y a Vincent, Jordi et Juliette. Ouais, c'est ça. Personne d'autre s'est glissé. Bah, en fait, comme on est en trio, du coup, on connaît tous ceux, enfin, les accompagnants des autres, quoi. Les autres, mais... Ouais, c'est ça. Tu es donc youtubeur, tu rêvais d'en faire ton métier depuis très longtemps. Tu postes chaque semaine des vidéos avec tes amis, dont Brieux et Maximilien. Tu as une communauté de plus d'1 million d'abonnés. Ah ouais, wow. Merci la team. Tu aimes le rap français et la pop. C'est très général, mais oui. Gâteau sur le plateau, mais on a une petite imitation. Ah, non. C'est terrible. De Chantal Latsou et de Nicolas. Il y a un Chantal. Oui, on garde le suspense pour tout à l'heure. Mais, parce que là vous n'allez pas aborder tous ces sujets-là. Non. Ah oui, non, ça, oui. Non. J'arrive à choisir un ou deux thèmes. Ah ouais. Maximilien, tu es aussi en trio avec Brieux et Lucas. Tu as 24 ans. Ouais. Également, tu es célibataire, youtubeur. Tu es à Paris. J'ai passionné. De foot. Tu es fan de Thierry Henrich. Ouais. Et donc on a toujours ces fameuses imitations de Nicolas Sarkozy et de Christian. Ah, surtout Christian Clavier, s'il y a moyen. Ça s'est rajouté à la dernière sans prévenir. Donc, En vrai, il fait bien mieux Christian Clavier que Sarkozy. Comme moi, je fais mieux Chantal Latsou que Sarkozy. Parce que En fait, Sarkozy, c'est mieux quand c'est vous trois. Ouais, c'est en une chorale en gros. D'accord. Et enfin, on termine. C'est Brieux qui fait très bien Sarkozy surtout. Le meilleur. Dis donc, t'aurais pu mettre des chaussettes violettes du coup. Ah bah, j'ai pas pensé, c'était pas le mot. Ah, mais c'est pas ton préféré. Ça aurait été pas mal. Mais c'est vrai, j'avais su. Il aime pas faire la concordance des couleurs. Ah. Attends, on va parler de mon profil. Est-ce que le slip est rouge ou violet? T'as mis un tanga en plus. Il est noir, ça marche pas. Brieux, tu as 23 ans, tu es en couple avec Pauline, tu es chargée de production. Tu nous viens du Calvados, tu pratiques le volley et le basket, tu aimes beaucoup le badminton aussi, tu es imbattable au chipouli. Ouais. Vas-y. Attends, faut que je m'arrête. Je te préviens, je vais faire... pierre, feuille, ciseaux. Ouais. Ok. Moi je vais faire pierre, je te préviens. Rien bah non, bah... Vas-y, t'es prête? Non, mais c'est une... Bah du coup, vas-y, 1, 2, 3. Allez! Pardon, qui veut essayer de... Non, c'est ma seule technique, hein, ça marche une seule fois. C'est le mensonge, quoi. Tu es. Grand. Oui, tu es grand. Oh, c'est bon, on a vu ça, Lu. C'est la galère. C'est sûr. Et tu imites aussi donc Nicolas Sarkozy. Mais ils sont tous. Ils ont tous une imitation. Ouais. Plus ou moins réussi. Ouais. Voilà. On verra sur le plateau, ça restera un peu. Ouais. Ensuite, si j'arrive à pas nous le demander, il est libre. Il est libre avec ce qu'il veut, on l'adore. C'est magnifique. C'est magnifique ce qui se passe. C'est dingue. Lorraine, tu pratiques la cuisine ou pas? Démonstration. Plateau? Ouais, ou même. Oh, on peut le faire aussi. Non. Ah, bah, il y a Max. Max, il a commencé la danse. Max. Vas-y, Max, il a dansé quoi? Kizomba. La kizomba, c'est généralement le mec qui quitte la femme. Ah merde, il faut un grand. Non. Ouais. Non, l'idéal, non. Parce qu'en fait, il faut apprendre des pas de base. Parce que si je le montre à Jarry, pareil, c'est... je vais lui apprendre des pas de base. Elle va préférer danser avec Jarry, je pense. Apprendre. On peut tous. Vas-y, on peut tous. Allez, on dit. Qu'est-ce qui se passe? Allez, vraiment les pas de base. Vas-y. Les femmes partent toujours du pied droit. Pied droit. Parce que vu qu'on est face à face, l'homme part du pied gauche, les femmes du pied droit. Attends, mais on s'est super du déjà. En fait, on fait juste un pas sur le côté et on bouge le bassin pour que ça passe
danse, parce que c'est une danse assez sensuelle. Ouais. Wow. Voilà. Et après, un pas qui est un peu plus... Enfin, qui est devant. Un peu plus dur. On va devant, donc on avance, on fait... Donc là, je vous montre sans bouger. Sans bassin. Tac, 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 tac. D'accord. En fait, c'est de la marche, la Kizomba. Bravo, Maxon. J'adore. Je vais m'inscrire à la Kizomba. Je m'inscris à tout le monde pour sa patience. On est chance. Oh la galère. Généralement, c'est toute la partie. Tu peux bouger, mais après, normalement, t'es face avec ton partenaire et t'es collé en fait. Ah, t'es collé. Ah, t'as la tête. Mais j'ai arrêté parce que je suis mariée. Vas-y, Brio. Bravo, franchement c'est beau, hein. C'est magnifique. Tout à l'heure quand Laurent avait fait son petit pas, on la laisse pas en gagne. Ah non, et on est une famille maintenant. Ah, on fait un groupe WhatsApp, on se fait un tatouage commun. Donc, on va commencer par le petit bonjour aux téléspectateurs. Donc pour ça, il faut faire quelque chose de très précis et tous la même chose, enfin tous la même chose, pas tous le même coucou, mais on commence tous pareil. Vous serez tous les six de dos. Oh. Attends, il n'y a rien de fou là. On est tous de dos et on se tourne par la droite. Et ensuite on fait deux choses, un coucou avec un geste pour dire bonjour aux téléspectateurs et un coucou oral, si possible pas tous la même chose, histoire de varier un petit peu les plaisirs, n'est-ce pas? Salut la team. Donc, pas d'inquiétude, on fera une répétition tout à l'heure sur le plateau, en live, mais on va aussi faire une répétition tout de suite ici pour voir un peu vos idées. Donc, je vous montre un exemple. Allez, qui se prend pour Jarry et nous appelle? Max. Allez Max. On appelle qui en premier? Émilou, Julie. Okay. Émilou. Hey! Mais donc tu restes tourné. Bonjour à tous. Ça c'est pour Brio, ça. Ça c'est pareil, toi. Ouais, c'est très Brio, ça. Vas-y Max, c'est bon, vas-y enchaîne. Allez Max. On s'est réduit, c'est la fin. Allez, vas-y. Et voici Maximilien. Coucou la team. Attends, coucou la team, on est bien. Faut dire bonjour forcément. Ouais. Fais un signe. Ah, fais un signe que tu veux. Je peux faire le signe Joule ou oui, c'est. Oui, je peux faire le signe. Ah, bah allez. Et voici Maximilien. Salut mes gâtés. Là, c'est mieux. Je suis mort. Tu veux le faire vraiment ou pas? Bah ouais, non. C'est drôle. C'est bien ou pas? Salut mes gâtés, c'est bien, oui, c'est bon. Comment ils vont mes gâtés? Bonjour à tous. Ouais, incroyable. Parfait. Allez Odile. Salut mes gâtés ou comment ils vont mes gâtés? Voilà, on l'a pas eu, Brio. Non, on l'a pas eu. C'est vrai que j'ai pas fait. Vas-y, tiens, Brio, vas-y. À moi. Ah, je sais pas ce que je veux dire. C'est la surprise. Et voici Brio. Kikou. Par pitié, non. Par pitié, non. Par pitié, fais pas ça. Brio, regarde-moi. Brio. Ah oui, ah oui, c'est vrai. Comme tu veux aussi, non, il est sur Ranjari. Parce que lui, il s'attend pas non plus à avoir. Donc, toi, ça peut être un truc. Salut, mon Jarry. Ah oui. Non, mais tu peux te cacher derrière le pupitre. Et d'un coup, tu surgis du pupitre. Ah, merde, mais au pupitre, comment on fait ça? Ouais, derrière le pupitre. Oh, okay. Tu peux chercher pupitre, un truc, tu veux quoi? C'est le pupitre. Et tu fais genre, t'es sorti après, on va dire. Allez, on dit. Moi, j'attends le candidat qui fait l'inverse, tu vois, qui est de face et qui se retourne et qui est de dos. Hello à tous, mais qui est de dos, en fait. La galère, bah, c'est ce que Brio, il voulait faire. Non, mais c'est. Je te laisse. Non, mais même cacher un pupitre et tu surgis, c'était. Ouais, c'est marrant. Ouh. Mais là, une fois en plus. Ou alors, on le voit. Comment ils vont m'égater? Ah, bah vas-y, ça te dérange pas, vas-y. Allez, mais ça, moi, je suis d'accord. Non, mais c'est drôle, le pupitre. Odile, c'est le pupitre. Odile, c'est le pupitre. Donc là, je me cache derrière le pupitre. Et tu fais sur deux heures. Mais j'arrive à croire qu'il tu t'as pas trop forcément à voir. Ok. Bah, faut m'appeler, je pas trop tard, quoi! Salut la team! Ouais! C'est bien, c'est parfait! Vas-y, Odile! Merci beaucoup, Odile! Oh, merci! Et du coup, on aura un vrai pupitre ou sera aussi Odile sur le plateau? Merci aussi, Odile! Mon rêve, que ça soit Odile le pupitre! C'est ou pas? Je suis mi-stress, mi-excitation de fou là! Ah, pareil! Genre, j'ai mi-stress, mi-j'ai envie d'y aller et je sens que. Je sais pas, il m'inspire trop confiance, j'arrive!
il a l'air d'être foncièrement gentil. Ouais, fou. Je pense que ça va bien se passer en vrai. Et je pense qu'il va trop mettre à l'aise tout le monde et tout, ça va trop bien se passer. T'es stressé, Abri? Je suis stressé en arrivant, et ils sont tellement tous cool que le stress redescend. Et là, je suis vraiment, j'ai zéro stress quoi. Ils sont tous trop cool et ça me met trop en confiance, je crois. Et toi? Moi, ouais, pareil, je suis hyper à fond, mais un peu stressé aussi. C'est un mélange de tout, genre je suis fou avec là, tu vois. C'est un truc de fou. Ensuite, après ça, donc c'était vraiment quelques minutes avant l'enregistrement, on a pu aller directement sur le studio, donc sur le lieu de tournage, avec le plateau, etc. Et on a pu du coup avoir une petite visite un peu privée, on a vraiment eu de la chance. Du coup, les gens qui vont voir sur le plateau là, les gens qui regardent le vlog le jour même et qui voient des gens sur le plateau, c'est ceux qui étaient le midi même. Voilà, ceux qui, voilà, ceux aujourd'hui et on a même. Du jour même, ouais, ouais, c'est du vlog. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, vous allez voir dans les images, c'est qu'on avait des potes qui étaient venus dans le public. Il y a Thomas, il y a Juliette, il y a ton frère, il y a Jordi, et Vincent Madeleine aussi qui était là, donc vous allez voir aussi dans le public. Donc voilà, visite, franchement, c'était incroyable aussi à voir. On vous laisse avec ça, c'est parti. Voilà, oh, on peut rentrer sur le plateau là. On peut rentrer sur le plateau là. Il y a un panier de basket. Oui, il y a un panier de basket. Attends, prends ma photo à côté. Vas-y. Je suis le poumon économique, je suis la zone industrielle. Wesh. Si on débranche un truc, c'est roule là ou pas? Ok, je vais pas le faire dans le doute. Et la dernière séquence qui est aussi trop bien, c'est vraiment les quelques minutes, quelques secondes même avant notre passage, où vraiment vous nous voyez sur le plateau, on a pu vlogger carrément, il y a quelqu'un qui nous a filmé, etc. Non mais c'était un poil stressant quand même. On n'avait pas eu beaucoup de stress avant, et pile au moment où on rentre sur le plateau, qu'on nous met les micros, c'est une ambiance différente du YouTube. La télé, c'est vraiment un truc Mais je trouve qu'après ça va très vite, hein. Entre le moment où tu mets le micro et le moment où tu commences, t'as 6 minutes, ça va hyper vite. Et faut préciser aussi que les gens de la technique là-bas sont des rois absolus. Ils étaient trop gentils, ils te mettent trop à l'aise. À chaque fois, vraiment, ils essayent de donner des petites phrases et tout pour te mettre le plus à l'aise possible. Quand il y a des petites pauses entre les séquences et tout, pareil, ils te mettent trop à l'aise. Le smile et tout. Ouais, c'est vraiment trop gentil. Quoi. Justement, vous allez les voir un peu dans la séquence. Et c'était vraiment les quelques secondes avant que ça commence, donc c'est parti. Il y a nos accompagnants qui sont juste derrière là. Il y a Bart, mon frère. Il y a Thomas, Vincent, Jordi et Juju. Attends, on va aller les voir plus proche. Ah oui. Là je me permets, je suis avec la team. Ouais, Max. Oh putain, la galère, je suis un peu gêné. La team, on est vraiment quelques minutes avant là, c'est une dinguerie là. C'est fou ça. Je pense que les gens ils captent même pas, mais vraiment on écrit sur un clavier avec une tablette là. C'est marrant. Mais bizarrement, Max, là t'es stressé. Je suis plus du tout stressé là par contre. Je suis en full euphorie quoi. Vous êtes trop bien. Vous êtes top hein. Ah, bravo hein. Putain, c'est fou la team, c'est fou ce qui se passe. Les retouches maquillage avant aussi. Oh la galère. Ah, c'est avec mon beau pinceau vert. Je suis chuchoté. Les gars, l'objectif c'est là-bas. Hein. Le big fauteuil là. Final ou rien, ma vue. Pour le public, votre attention, 30 secondes s'il vous plaît. D'autre part, on va maintenant répéter le moment où nos candidats se retournent. Nos candidats viennent d'arriver, donc même si nous on a deux éditions déjà dans. Voilà, vous avez raison, vous commencez à applaudir et on peut les encourager tout de suite. Les applaudir. Attention pour un applaudissement avec beaucoup de voix. Maintenant, allez-y. Donc voilà, on s'arrête là les quelques secondes avant que ça commence l'émission. Et pour le reste, vraiment pour voir, bah, l'émission c'est demain midi sur France 2 et demain soir 18h15 sur ma chaîne Lucas Studio. Il y a des séquences aussi qu'on a filmées donc après l'émission qu'on met pas dans ce vlog là justement pour pas spoiler, notamment avec Jerry, etc. C'était vraiment trop drôle. Donc rendez-vous demain, la team, on a trop hâte, on compte sur vous. Merci la team, demain ça va être historique avec le bruit, avec le Max. J'ai si hâte, c'est fou. Voilà, c'est merci demain, quoi. Merci beaucoup la team et on se voit demain du coup sur Lucas Studio. Ciao la team. Ciao. À demain.